Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Star Wars le pouvoir Jedi Fallen Order les amis. Et donc là on vient de. Dans l'épisode précédent on vient de partir de l'autre planète avec on a vu notre maître et tout. Là si j'ai bien compris on doit se trouver un nouveau sabre. Ou on doit faire un nouveau sabre, je sais plus. Donc voilà. Alors attendez, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le temple Jedi. Ça fait longtemps, mais... Oui. Je m'en souviens. Ok. Tous les Jedi novices viennent ici. Enfin... Venez ici. Du temps des Jedi. Ok, donc on doit aller explorer le... Le temple Jedi. Ok, d'accord. Eh ben, on n'est pas arrivé, hein, mon ami. Pam 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 param param. On dirait un passage de ce côté. Je ferai attention à la glace. Merde, je suis cassé la gueule. Attends. Attends, là, je pige pas là. Comment on y va ici? Ah ouais, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Ah, il faut chercher un petit peu des fois, hein. C'est un peu relou. Hein. Bon là, j'espère qu'on est bientôt à la fin. J'espère vraiment qu'on est bientôt à la fin du jeu là. J'ai envie de savoir le dénouement, j'ai envie de savoir la fin de l'histoire en fait. Mais à part fin la fin, pas vraiment parce qu'apparemment ils ont annoncé. Enfin, il y a des trucs comme quoi Respawn sont en train de recruter des gens pour justement faire un jeu solo. Enfin, pour un jeu solo Star Wars et tout. Donc je pense que c'est la suite de celui-là. Hein. Vu que c'est eux qui ont fait celui-là. On monte, on monte, on monte, on monte. Un grand Jedi a médité ici. Il est revenu sur sa vie passée pour en contempler les aventures et ses épreuves. Maître Marty Cameron. Oui, mais...
Je comprends pas là. Tu veux bien m'aider? Ça va, BD? Ouais, ça va aller. Putain, tu paries qu'il fallait que je récupère le sabre laser. Oh bah là, j'ai récupéré là. Y a pas grand chose à voir, pas vrai? On devrait redescendre. Mon visage est engourdi. Tac 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 tac. Rapide pour descendre. Bon. Ils disent pas où c'est qu'il faut aller, c'est ça qui est chiant. Ils disent juste que c'est là-bas, mais j'ai pas de sabre laser, du coup je peux pas y aller. Putain, je sais pas comment il faut faire moi. On va revenir au Mantis, on va voir si l'autre elle peut me donner son sabre ou pas. Vu que dans la cinématique on la voit en train de donner le sabre, mais je l'ai pas, c'est bizarre. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici. Comme tu le sais, de nombreux Jedi sont venus sur Illum chercher leur cristal Kyber. Je me souviens. Maître Yoda nous a guidés jusqu'à l'entrée, mais après ça, c'était l'inconnu. J'avais l'habitude de m'en sortir seule, mais ça a quand même été une grande épreuve. On m'avait formé selon des protocoles stricts. J'étais paré à tout. En théorie. C'était peut-être ça, la leçon. On ne peut pas tout savoir. On ne peut qu'espérer être capable de faire face à n'importe quel défi. Que la Force soit avec toi. On peut pas changer de sabre là. Ah non. Bon, bah, il faut que je reparte. Ça doit pas être où je suis allé qu'il fallait que j'aille. Ou peut-être d'un autre endroit, je sais pas. Ah non, on est passé par là. On va essayer de passer par là maintenant. Enfants, l'heure de la collecte a sonné. Tirez le meilleur de votre enseignement. Attends, ça veut dire que là, concrètement, il n'y avait que ça. Comment je passe ici, moi? Putain. C'est galère, les gens. Thank you.
Ok, donc j'aurais pu aller sur le côté, peut-être il y a quelque chose. Je sais pas. Écoutez, on va bien trouver, hein. On va bien trouver les frérots. Ne vous inquiétez pas. On va aller là. Ça, il n'y a pas 50 endroits où on peut aller, hein. Allons voir. Voilà, donc là c'est l'entrée, ok. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Ouais, c'était vraiment beau avant. Cette chaleur fait du bien. Je me rappelle cette pièce. Maître Yoda a fait fondre cette porte pour nous faire entrer. Pas avec la force, avec ce cristal. Il concentrait la chaleur de la lumière. Je pense qu'on peut le faire aussi. Par ici, BD. On scanne. Hey, BD. Regardons ça. Attends, je comprends pas ce qu'il faut faire.
Comment je fais pour me barrer de là, moi, maintenant? Vas-y. Je dois retourner à la fenêtre pour faire entrer la lumière. Tu as raison. L'autre mur est sur le passage. Peut-être qu'on peut faire fond. C'était un truc. Putain, c'est casse-couille. Oh là 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 là. Le genre de niveau pourri là où tu peux pas, bah, tu peux pas t'en sortir en fait, hein. T'es bloqué, hein. Tester notre truc. On va tester comme ça. Allons-y, BD. C'est juste. Et ça, on peut l'accrocher nulle part. Donc ça veut dire...
Et comment je fais? Putain, mais c'est ouf. C'est-à-dire que tu passes là, t'es bloqué, quoi. Putain, mais comment il faut faire? Attendez, parce qu'attention les gars, faut que je réfléchisse moi. On va tester, on va voir ce que ça donne, hein. Eh, hey, victoire. Putain, 3 heures pour ça les gars. Enfin les amis. Allez, c'est parti. On est dans la chaleur s'échappe des fissures sous l'eau, mais il fait très froid ici. Le cristal Kyber, il m'appelle. On n'est plus très loin. Le cristal Kyber choisit son Jedi, et pas l'inverse. Oui, un peu comme toi. Hé, hey, BD, on y va. Et c'est parti. C'est qu'une petite secousse. Ça va aller. Espérons que ça tienne. Pack. Le cristal Kyber. C'est passé près. Son appel s'intensifie. Dépêchons. Hop. Voilà, comme ça on reprendra de là. J'ai l'impression d'être entouré de fantômes. Non, ça va pas trop. C'est dur d'être ici. Merci, BD. C'est eux. Comment ils nous ont trouvés? On va vite aller chercher notre cristal.
voilà. Je peux le voir briller. Le cristal Kyber. Quelque chose? Scan, il scanne quoi? Cristo Kyber. Hop, et on va aller là-bas. Voilà. On sera bientôt dehors, je te le promets. Tic, tic. Ah. Allez, go. BD, t'approches surtout pas. BD. On a mouru. Aie confiance. Il va trouver son cristal. On va avoir une nouvelle lame, un nouveau sabre laser. Avec la beurre, c'était un glaçon en fait. L'échec n'est pas la fin, mon ami. C'est... C'est...
l'heure est venue. C'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Je sens au fond de moi que l'Ordre Jedi vit ses dernières heures. Non. L'échec n'est jamais la fin. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Comme toi, BD1. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera aussi brave et volontaire que tu as su l'être. Et que tu l'aideras. Comme tu m'as aidé. Mais ta mémoire sera totalement perdue. Es-tu sûr de vouloir le faire? Je procède à l'encodage de la mémoire. Seul un très fort lien de confiance sera à même de te rendre tes souvenirs. À ma confiance, comme depuis toujours. Et j'ai confiance en quiconque tu choisiras pour me remplacer. Au revoir, mon ami. Si je crois en toi, BD. Ouais, t'as raison. Il reste une chance. Il y a toujours une chance. Allez. Alors. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça y est, on a récupéré un sabre. Parfait. Voilà. Parfait les gars, ben, on va s'arrêter là pour cet épisode là. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les potos à lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement. Voilà, si la chaîne vous plaît, abonnez-vous. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord de la Fataliste qui est dans la
description de chaque vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.